professionnel, ne refais pas qu'est-ce qu'on fait. Hé, hey, salut! Je rigole parce qu'il y a du vent! Je suis en compagnie de Tony et de Max! Salut les gars! Salut! Et aujourd'hui, je te mène faire un bunker italien! On est sur le col du Chaberton, donc le mont Chaberton. Il est là-haut, là, derrière. Allez, on y va, c'est parti! Personne n'a descendu par cette échelle, les gars. Ah, ça va être chaud pour monter, là. Ah ouais. C'est violent. Du coup, c'est safe dedans, là? Safe, ouais. Ah, quelqu'un oublie son slip, ici. Vous avez vos slips? Ah, c'est dur, moi. Il m'a fait une avalanche, gros. Ah, descendre, c'est une chose. Remonter, ça va être en être une autre. Je vais laisser mon sac ici. Anto, il va rester ici aussi parce qu'il est pas bien. La rando, il a combien de se taper, c'est chaud patate. On va commencer. Donc là, c'est une sortie. D'accord. Ok, là, c'est le vide. Ça devait être des bassins de récup, je pense, pour l'eau. Ou. Bassin de réception d'eau usée, je sais pas. Il y a une sortie là. Arrête d'étaler ta science, rentre à l'intérieur. Là, l'entrée qu'on a prise avec l'échelle. En haut, les deux blocs. On va retourner à l'intérieur. C'est pas trop tôt. Donc, je vais faire l'expo avec Max. Hein. Tony, il est vraiment pas bien. En vrai, il a la diarrhasse. Ouais. De la neige en juillet, c'est ça. Il y en a deux là. Faire gaffe au trou là. Donc, ça, c'est un bunker italien. J'en ai fait quelques-uns, pas énormément, mais les configurations sont différentes de nos bunkers, nous les Français. Les squatter. Ouais, ouais. Des signes de vie récents. Ouais. Alors, ça, c'est intéressant, tu vois, le tuyau. C'était peut-être une station de pompage, genre, c'est des récup l'eau de pluie. Waouh, il est trop fort, Explorate. Je sais pas ce que c'est. Ouais, il devait stocker l'eau, hein. Il devait récupérer l'eau de pluie et il a stocké là. Ouais. Ah, ouais, belle pièce quand même. Par contre, la porte, elle est en bois. Elle est d'époque, hein. Bien conservée, quand même. Ah ouais. La ventilation, je présume. Hein. Donc là, il manque... on voit les colis au mur, donc... Ouais, c'était la ventile. J'ai pas vu de signe d'électricité ni de groupe électrogène, pour l'instant. C'était récent. Ah ouais, alors ça par contre, le PVC c'est plus récent ça. À mon avis, c'est pas d'époque ça. Et je me renseigne, quoi que je sais pas. Hein. Je sais pas s'il y a du PVC à l'époque. Chez nous, les vidanges étaient pas. Le PVC n'est apparu qu'en 1960 dans le bâtiment, il n'est donc pas d'origine. Le PVC est récent quand même. Hein. Donc peut-être essayer de le restaurer peut-être. Là, on voit qu'il y a du squat. Hein. Peut-être un repère de bivouacker. C'est quoi ça? Oh, la baramine! Ah ouais! Elle est magnifique, c'est quoi ça? Une baramine. Peut-être qu'il perce des trous dans la roche avec ça pour foutre la dynamite, pour l'éclater, pour pouvoir creuser les galeries. Donc là, ça continue. Ça monte et là-bas ça continue. Ça, monte aussi, ouais. Ça doit correspondre aux deux blocs, je pense.
Il fait pas chaud aussi, hein, je t'avoue que... Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça pouvait être, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est aberrant. Je crois que c'est une trace double qu'ils avaient. Tu penses? Ouais. Parce que, est-ce que c'était orientable? Je vois pas de support vitreux, c'est bizarre. C'est... Ouais, le fait que ce soit double, effectivement. Alors, je vais essayer de montrer, je sais pas si on voit au loin, non, il y a pas assez. Il y a un bunker dans la roche là-bas. On voit rien, blaireau. Système de ventile ou système. C'est peut-être pour récupérer les fumées dégagées par les tirs. Je pense que c'est plus ça. Hein. Ou alors pour un système communicant pour la voie à l'ancienne. Et là, ce créneau, il est magnifique. Ouais. Il est magnifique. Magnifique. Là, j'ai un doute, tu vois. Je pense plus à plutôt peut-être. Okay, ouais. J'ai un mortier, ouais, tu vois, il y a deux ancrages. Un ici, un là. Un là. Là, le feu, que ce soit blindé comme ça, c'est que il y a quelque chose de lourd. Il devait y avoir certainement un tir au cul, puisque le blindage pour pas se faire massacrer en face par l'obus. Il est trop intelligent, sérieux. Donc là, on est dans un des blocs qu'on a vu à l'extérieur. Ah, la lampe, elle m'a fait flipper, là. On va redescendre, on va continuer plus loin. Alors, il faut que tu saches que j'ai un Insta et un Facebook. Et quand je fais une expo comme ça, je tue ma vidéo et je me retape tout ce que j'ai fait pour pouvoir reprendre des photos. Et là, je viens de voir les marches que je viens de descendre. Je sais que je vais devoir me retaper après. Tu sais quoi? On s'en balèque. Eh bien, je suis content de t'avoir mis ici et en même temps, j'ai tenu. Double joie. Ah, je t'avoue que j'ai plus de cuisses hein, entre le trajet pour venir là, puisque c'est marche. Un renfort. Là, pour moi, il y a plus de doute, hein, c'est bien du mortier. Hein. Tiens, regarde. Deuxième bloc et fin d'ouvrage. Donc un ouvrage tout petit. Trois bonnes heures de marche de souffrance aussi. Pour un petit ouvrage comme ça, mais voilà. Un ouvrage italien et puis par là même j'ai pu te faire découvrir cet ouvrage en t'épargnant le trajet. C'est vrai que c'est assez pénible. Max, il va pouvoir te le dire. C'est pas du bateau. Ouais, faut aller doucement. Quoi. Et ça, ouais, je pense que ouais, c'est bien pour récupérer les gaz. Là, ça c'est. Là, t'as une marque là. Ouais. Là, c'est un code de récupération ça, pour la compensation. Ouais, pareil, il y a un signe. Alors, c'est écoute, avec un rond. Ouais, c'est Space Institute, c'est ce que c'est. Bah, ça serait cool de me le dire dans les commentaires. Alors, moi, je sais pas du tout ce que c'est, je le découvre en tant que toi. Waouh! Ouais, ça c'est pas rassurant ça. Ça bouge un peu. On va se prendre le doublage dans la gueule. On voit, il est mort, ça y est. Détache un rigueur. Oh merde, je crois qu'on l'a perdu. Tony! Ah, c'est bon, il est vivant. Putain, il a dû se chier dessus aussi. Bodyguard. Yes, bodyguard. Eh bien, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Nous, on a kiffé. Moi, j'ai kiffé. Max a kiffé. Lui, il a moins kiffé. Il est en train de mourir. D'ailleurs, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on allait s'emmerder à transporter le corps jusqu'en bas. Et du coup, je te dis à la prochaine. À très bientôt. Tchou-tchou. Abonne-toi à la chaîne de cet explorateur sexy et courageux. Oh oui, abonne-toi.